Les populations du district autonome des Savanes se sont réunies au stade Amadou Gon-Coulibaly de Korogo pour dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire pour toutes ses innombrables actions de développement, de paix et de stabilité dans le pays, en général et en particulier le district autonome des Savanes. Nous revenons sur ces images avec Ouattara Daouda. Stade Amadou Gon-Coulibaly de Korogo. Démonstration de force des populations du district autonome de Savanes ce samedi 18 mai 2024. Venu du Tchologo, de la Bagoué et du Poro, afin de magnifier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour toutes ses actions innombrables en termes d'électricité, de l'eau potable, route, santé, l'école, la sécurité. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de l'expression de gratitude et de reconnaissance des populations envers le président Ouattara pour toutes ses actions de développement en Côte d'Ivoire et par ricochet dans le district des Savanes. Nous sommes là ce matin pour magnifier un homme, le président Alassane Ouattara, homme d'exception. Le bilan de l'action du président Alassane Ouattara montre l'acteur. Les réalisations ont complètement transformé le visage de notre district et amélioré significativement les conditions de vie des populations. Mais au-delà de ces réalisations, le président de la République est résolu à poursuivre son engagement en faveur d'une Côte d'Ivoire de progrès dans toutes les localités afin que chaque habitant de ce pays soit heureux de vivre là où il est, où il se trouve. Et en particulier au niveau des jeunes. Tout le monde a été sensible aux investissements dans les infrastructures routières et dans les ponts. Vous vous souvenez qu'à l'époque, les détracteurs disaient qu'on ne mange pas goudron. C'est donc dit que tous ces investissements, toutes ces réalisations sociales de base ont permis de souder le lien entre les Ivoiriens. Vous avez été témoin de la belle mobilisation et de l'attachement une fois. De plus, les populations du district de Savanes au président de la République. C'est une affaire qui date depuis 1994. Autre temps fort de cette cérémonie d'hommage au chef de l'État, il s'agit aussi de l'inauguration de l'aéroport international de Korogo, la présentation de la coupe aux populations du district de Savanes. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, le stade Amadou Gon-Coulibaly a refusé du monde. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie d'hommage au président de la République s'est soldée au grand plaisir de tous.